Ouais, donc du coup, plusieurs choses. Notamment, aller récupérer l'armure magique. Aller. Récupérer la soupe de mémé. Faire les échanges. J'ai la liste sous les yeux, je suis en train de regarder ce qui m'intéresse à faire. Aller récupérer les photos légendaires. Appelez ça comme ça. Pour les figurines de fou, tout ça, tout ça. Non, ça on s'en fout. Et ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Et oui, d'ailleurs, ça me fait penser que si vous vous souvenez, au dernier live, il y avait le mid-boss du dernier donjon qu'on a fait, où que j'avais complètement oublié de prendre en photo. Et bah, je me suis dit que ça faisait chier de rater un mob comme ça. Donc j'ai refait le donjon. Vu que j'avais save juste avant, j'ai refait le donjon. Et j'ai pris la photo du mob, et puis voilà. Du coup, voilà. Voilà. Ce qui fait que je sais plus qui c'était, mais... si, je crois que c'était le Dark Knut. Non, ben, je sais plus. Non, si, c'était le magicien. Le magicien de... Le mid-boss magicien du dernier donjon. Du coup, ben, je suis allé la chercher, je suis allé le refaire, et je l'ai pris en photo, et puis voilà, tout simplement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va être où? Ça va être là, j'imagine. Et voilà, lui là. Voilà. Bah, du coup, voilà. On l'a récupéré. Bref. Pour commencer ce petit live de quête annexe, tout simplement. Mais pas que, puisqu'on va quand même essayer de récupérer les morceaux de Triforce. On va commencer petit tour à Mercantile. Quoique... Oh. Non. Avant le petit tour à Mercantile, on va faire un petit tour à l'île de l'Aurore. Petit tour à l'île de l'Aurore, et pour le coup, on va prendre le Uber. Et salut Tina! Et salut Luxray! On va devoir aller chez Crétin et compagnie à Bavé. À Bavé, oui. Du coup, comment ça va Tina? Là-dedans, ça va? C'est un peu mieux? D'ailleurs, tant qu'on est là, parce que oui, les crabes comptent. Les crabes comptent. Je vous le dis. Et autre chose aussi que j'aurais pu faire depuis très longtemps, mais qu'au final j'ai complètement oublié. Alors c'est pas ça, mais ça... Non, c'est pas ça non plus, c'est ça. Mais ça... Ça compte aussi, le cochon. C'est juste que jusqu'à maintenant, j'ai dû faire des photos trop nulles ou voilà, qui étaient pas bien placées. Pour réussir ces photos, du coup, bah voilà. Ensuite, chose que j'aurais pu faire depuis très longtemps. Que mamie elle est malade, tout ça, mais que en fait c'est pas quand on ramène Ariel que ça va mieux, non. Ouais. Ah, mais voilà.
J'essaierai désormais de toujours te montrer ce visage souriant. Link, mon petit Link. Dieu merci, tu vas bien, Dieu merci. C'est toi qui m'as guéri? Oh, t'es un amour. C'est vrai, toi, mon petit Link, et ta sœur Ariel, vous faites de grandes choses, et moi, je suis là à me plaindre. Je devrais me montrer un peu plus fort, pardonne-moi, mon enfant. Je n'aurais pas dû te laisser me voir ainsi. Je suis une bien mauvaise grand-mère. Link, ce n'est pas grand-chose, mais mets toujours ceci dans ton flacon. Et on obtient la soupe de mémé. Un mets revitalisant que votre grand-mère a préparé pour vous. Elle restaure toute l'énergie vitale, toute l'énergie magique. Et, jusqu'à votre prochaine blessure, vous infligerez à vos ennemis des dégâts, des dommages deux fois plus importants. Et en plus, on peut en prendre deux fois. Je sais bien que vous adorez cette soupe. Dès qu'il y en aura plus, j'en préparerai à nouveau. Je vais me montrer courageux, c'est promis. Alors toi aussi, fais des choses. Promets-moi de faire bien attention, d'accord? Et voilà. Ouais, du coup, j'avais jamais fait gaffe. Je l'ai vu pendant qu'ils discutaient, mais j'avais jamais vu la photo de Link et Ariel sur le côté. Voilà. Du coup, on a la soupe de mémé qui déchire ça, qui déchire tout. Va falloir acheter les photos. Ouais. Clairement, c'est prévu. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que cette truc nul là, hein. Verk. Voilà, hein. Déjà, t'as vu la tête que tu fais. T'as bien compris comment. T'as compris l'idée. Puis quand tu fais la fumée bleue juste après, bon. Voilà. Parce qu'en vrai, cette soupe. Enfin, cette soupe. Cette potion, je crois que je l'ai depuis. On a testé la potion chez l'arbre mojo. Donc en vrai dire, on s'en est pas servi une seule fois et je pense pas m'en servir non plus. Donc remplaçons ça par un item qui par contre lui pourrait être intéressant. De grandes choses, Ariel. Bah oui, elle a fait de grandes choses. Elle nous a fait coucou, puis elle nous a donné une longue vue, et puis voilà. Et du coup, tant que je n'ai pas été touché, vous voyez que j'ai l'épée qui brille, tout ça, c'est grâce à la soupe de mémé qui fait briller les épées. Oh, je suis juste en train d'aller chercher une autre petite fée, hein, je vous le dis. Non, c'est pas ça que je veux. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait, je me souviens même plus. Oui, si, voilà. Ça fait tellement longtemps. Eh, le petit vent d'est qui fait plaisir. Elle déboîte la soupe à mémé. Ah, mais tellement. En même temps, j'ai envie de dire les repas de grand-mère, quoi. Bon, bah, à partir de là, bon. Vous voulez un item cheaté? Tiens, prends ta soupe. Ah, mais non, c'est bon, je l'ai déjà. Ah, mais c'est totalement ça, j'ai envie de dire, bon, bah. C'est pas tranquille! On va juste aller chercher une fée tranquillement. Salut! Qui sera l'heureux élu? Voilà. La soupe de grand-mère, c'est la meilleure du monde. Ah, mais tellement. Ça passe. Donc. Voilà, en plus on récupère de la magie. Alors on va essayer de pas se casser la gueule sur un caillou cette fois-ci. Arbre de mort. Et ça va. La bouffe que te prépare ta grand-mère, c'est Gauthier quoi qu'il arrive. Ah mais on est tellement d'accord, j'ai envie de dire, voilà.
Quand ma grand-mère me faisait des lasagnes, pouah. Les lasagnes de ma grand-mère, pouah. C'était tellement une tuerie. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Mercantile. Yes. Et GG Luxray pour ton level 195. Véridique, c'est la seule façon de me faire manger de la soupe, la même recette faite par ma mère, je peux pas digérer. Ah merde! C'est chiant ça! Alors avant de faire une connerie d'ailleurs avec la fée que j'ai ramassée, on va se mettre ça. Voilà. C'est juste pour pas faire de conneries. De toute façon, non, déjà il faut que faire de nuit, donc tac. La nourriture d'un resto 5 étoiles, bleh, très peu pour moi, la mamie cuisine mieux. Ah, mais tellement. Aujourd'hui, c'est le grand jour du cliché. C'est l'anniversaire du jour où, dans ma jeunesse, parti ma voyage, j'ai pris ma première photo de légende. C'est un cliché dont le sujet est un être surnaturel. Ces clichés sont extrêmement rares, mais en tant que photographe, j'en ai une collection assez importante. Toi aussi, Link, tu es un photographe maintenant. J'accepte donc de te céder une de mes photos de légende. Si tu as la place, je peux la mettre dans ta boîte à images. Bah vas-y, donne. Mais évidemment que je veux. Enfin, je fais une petite fortune, je peux pas te le céder gratuitement. 150 ? Radin. Et on obtient une photo. N'hésite pas à revenir demain. Bah ça tombe bien, Michel. Alors il nous a mis quelle photo ? Oh ! Tellement badass ! Ah ouais ! Le roi qui est tellement pas là pour déconner. Et du coup, bah voilà, typiquement, là c'est ce que sur l'épisode YouTube, là très clairement ça va donner ellipse, hein, ça c'est clair. Mais nous, bah on va se le taper, hein, j'avais dire, voilà, on va passer les nuits, tout ça, et puis voilà. Ma grand-mère, non seulement elle cuisine trop bien, mais elle cuisine pour la famille. T'as l'impression qu'on est une armée de rocailles. Ouais, j'ai connu ça à une époque. Quand mes grands-parents étaient encore là, les repas de Noël, en fait, on les commençait à 11h le matin. Pour le repas du midi. Qui se finissait aux alentours de 18h. Et vers 18h30, on commençait à prendre l'apéro pour le repas du soir. tu veux, aujourd'hui j'ai un cliché de Ganondorf. Oh! Fais péter, Michel! Mais la question est de savoir, l'a-t-il pris sous sa douche? Non, ça va. Bah, c'est... J'arrive pas à reconnaître l'endroit. Autant le roi, c'est dans la salle de l'épée, mais j'ai pas reconnu le... Le gars te sort... Je vais te donner une de mes photos de légende, et au final, il trouve le moyen de te la... Bah oui. Rien n'est gratuit dans un Zelda. T'as pas profité d'être sur l'île de l'Aurore pour faire des
Les étages avec tous les mobs qui te pop. Ah non, c'est vrai que non, j'ai pas pensé. Bon, de toute façon, on ira aussi puisqu'il y a un fragment de Triforce à récupérer là-bas, donc dans tous les cas, faudra y aller. Le roi qui ferait passer Vladimir Poutine, Donald Trump et Kim Jong-un pour des glandus. Bah, il y en a certains, ils ont pas besoin de ça, hein. J'ai envie de dire. Aujourd'hui, cliché d'une grande fée. Oh, nice! Fais péter! Elles sont trop stylées, les fées, dans celui-là en plus. En haut de la forteresse maudite, non? Ah, peut-être, j'avoue. Peut-être. Vous savez quoi, on va faire autrement. C'est que je vais toutes les récupérer puis on les regardera après. Ce sera plus pratique. Ganondorf, le méchant le plus stylé des jeux vidéo. Bah, je suis assez d'accord qu'il fait partie des méchants les plus stylés. Mais pas cette version là. Là, on dirait juste un petit cinquantenaire bedonnant qui sort de sa douche en peignoir. Non, pour moi, le meilleur. Le meilleur Ganon pour moi, c'est celui de Twilight Princess. Le Twilight Princess, il est tellement badass. Jabou, parfait. Le plus stylé, je dirais pas, mais parmi les plus stylés, ça oui. Ah oui, clairement, il fait partie des plus classes. Pour moi, il y a quand même une petite place de choix pour Sephiroth, parce que voilà, c'est mine de rien enfin, parmi les premiers méchants que j'ai découverts dans l'univers du jeu vidéo, donc ouais, il a quand même une petite place. Après, ouais, des méchants de jeux vidéo... Est-ce qu'on peut réellement la considérer comme une méchante? La reine des fées, oh. Non, elle, je peux pas la considérer comme une méchante, c'est pas possible. Ah, le plus stylé des jeux Nintendo. Ah, j'avais pas vu, autant pour moi. Mais oui, si tu parles que des jeux Nintendo, ouais, je pense qu'il fait partie clairement... Dans tous les cas, il fait partie des plus stylés. Parmi mes méchants préférés, il y a à coup sûr Vass, Montenegro de Far Cry 3, ce mec est beaucoup trop charismatique. Ah, c'est vrai qu'il est classe, mais pff, à la langue, il m'a un peu gonflé, j'avoue, perso. Il a du style, mais au bout d'un moment, il me saoule. Le sage du vent. Oui, je veux. J'espère que je vais avoir assez pour toutes les prendre, m'empêche. Je sais pas combien il y en a. Je crois qu'il y en a 7 en tout, non? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. On verra bien, et sinon... Sinon, je sais qu'on a des trésors, on a pas mal de trésors à récupérer, donc au pire, voilà. Je suis en train de regarder, en fait, parmi mes amiibos, ça me fait penser à des licences où... où il y a des méchants qui me plaisent, mais... Mais là, j'en vois pas des masses qui me viennent à l'esprit. Le sage de la terre, mais carrément que je veux.
T'es obligé de sortir à chaque fois, tu peux pas rester dans la boutique pour faire passer le temps. Non, tu peux pas, quand t'es à l'intérieur, tu peux pas sortir la baguette. Là, en fait, pas de baguette, donc pas de passage de temps. Chez moi non plus, vu que mes amiibo sont surtout des Zelda et des Pokémon. Bah ouais, c'est... Bah j'ai un petit peu de tout, parce que j'ai quand même des Fire Emblem, j'ai du Splatoon, j'ai du... Bah du Zelda évidemment, du Pokémon, du Mario, certains. Mais là j'avoue que j'ai pas de méchants qui me viennent en tête. Ah bah si! Comment j'ai pas pu penser à ce méchant? Bon, c'est pas du Nintendo du coup. Comment j'ai pu ne pas penser à ce... Le grand roi d'Hyrule? Bah tu me l'as déjà fait du coup. On a fait le tour? Bon, y'a moyen que tu me la fasses repayer ou pas en fait? Non? Bon, le roi d'Hyrule... Ça veut dire qu'on les a toutes? Je vais faire passer un cycle de plus juste pour voir et on va voir ce qu'il nous dit. Mais oui, comment j'ai pu ne pas penser à ce méchant là? Xemnas! Clairement Xemnas! Y'a pas photo. Juste d'or, enfin. Ansem, je suis pas trop fan. Enfin, il est stylé, mais bon. Voilà. Xehanort. Bon. Il me saoule un peu. Mais Xemnas. Et puis sa voix en anglais. Oh. This voice. Ah non, mais cette voix qui est juste épique. Bon, enfin bref, du coup, on disait, nous, Zelda. Les photos. Du coup, les photos. Oh. 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 Et du coup, ça nous en fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Ouais, 7. Donc du coup, je dois toutes les avoir, j'imagine. J'avoue, il est beaucoup trop stylé. Bah, j'avoue, c'est celle que j'aime le moins, là, pour le coup, sur la totalité du truc. T'as une porte de sale gosse. Ah, vous me saoulez. Barrez-vous. Je vous prends ma photo. La photo nulle, mais qui passe. Tu les as pas déjà pris? Non, j'avais pas pris les photos des gosses. Par contre, j'ai aucune idée de qui j'ai pris en photo ou pas ici. Je m'en souviens pas du tout. Donc il faudrait qu'on fasse un tour à l'île aux forêts pour voir en fait. Qui est-ce que j'ai pris, qui est-ce que j'ai pas pris? Je sais plus. Je sais plus du tout. Non, je sais qu'on avait fait une session genre... Oh, t'as pas le checkpoint. Un courrier, allez, vas-y, tousse-moi dessus. Charlink, comment vas-tu? As-tu encore même assez de soupe de mémé? Et où es-tu donc? Qui sait? T'es peut-être pas si loin. J'espère que t'as pas faim et que tu n'es pas blessé. Je sais que tu dois traverser encore des moments difficiles, mon Link. As-tu assez de rubis? C'est pas grand-chose, mais je t'envoie ce que j'ai économisé, fais-en bon usage. Je n'ai besoin de rien d'autre que de vous revoir, toi et Ariel. Revenez vite en bonne santé. Mémé. C'est combien? Putain, 20 rubis, c'est la dèche, hein. C'est un peu la pauvreté et tout ça, mamie. Je suis plus riche que ma grand-mère, sans déconner.
Les socles, tu vas les remplir. Non, je pense pas que je vais faire la quête de tous les socles. Parce qu'en vrai, il y en a beaucoup trop et partout. Donc, voilà. Je pense pas. Je pense, en fait, comme je dis, il y a le niveau quête annexe qui m'intéresse. C'est faire le plus de figurines qu'on peut... qu'on peut faire avec tout ce qu'on a pu récupérer. J'imagine que j'en ai raté. Voilà. J'imagine que j'en ai raté. Bon, comme je disais en début de live, j'ai quand même refait le donjon du vent. Oui, le donjon du vent pour le mob que je vous ai montré là. Mais je suis persuadé qu'il y en a d'autres que j'ai raté et dont je me doute même pas. Donc je pense qu'on va voir tout le maximum de photos qu'on peut faire. Et ensuite au niveau quête annexe, il y a l'armure magique que j'ai envie de choper. J'ai envie de faire la quête des échanges aussi. C'est tellement pas RP Wind Waker, les mémés en général elles ont beaucoup de thunes. Ou alors on a une mémé radin hein. Parce qu'il y en a aussi des fois. Ah oui, c'est une possibilité. Parce que quand on va la voir, elle va dire « Oh mon petit Link, ah oui tu me moques, tout ça. » Et s'il faut quand on n'est pas là, elle fait « Oh putain, c'est mon argent à moi. » Ah oui, eh. Et en fait, elle nous donne juste des rubis, 20 rubis en mode, bon voilà, on va donner de l'argent aux petits morveux, là, et puis ils vont me laisser tranquille, hein. Voilà, on t'a dit qu'elle te file toutes ses économies, mais t'inquiète, les dizaines de milliers de rubis sur le compte en banque, ça y va. Ah bah oui! Moi, je suis sûr, c'est ça, hein. Reluxray. La mémé, elle dépense tous ses rubis dans les ingrédients de la soupe. Ah, j'avoue, c'est pas mal, ça, comme... ouais, je prends cette excuse-là. Je valide cette excuse. Bon, dernière photo qu'on a pour l'instant. Alors ce qu'on va faire, c'est petit tour. Ah oui, bah là, les Korogu, il m'en manque plein. Il me semble que, voilà, niveau Korogu, c'est un peu la déchéance. Ouais, voilà. Eh, j'en ai quand même 4, hein. Enfin 5 en comptant du Moria, mais... Ouais... Quoique, si on va faire un truc. J'ai l'impression pas le rancun, mais c'est pareil. Et GG Shira pour ton level 15 et Tina pour ton level 195. GG à vous deux. Pour obtenir des effets pareils avec la soupe, je pense que les ingrédients doivent pas être très légaux. Tu m'étonnes que l'argent parte là-dedans. Ah bah oui. Mais ce qu'on va faire du coup, ouais, c'est que je vais me noter en fait les Korogu que j'ai.